Yo les gars, j'espère que vous êtes chauds, c'est Madja, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Si vous avez bien suivi, en août, je suis allé dans un battle, dans un festival à Namur, c'était trop cool, mais j'avais vraiment fait de la merde. Et du coup, suite à ça, j'avais sorti une vidéo qui s'appelait « J'arrête les battles ». Cette vidéo, elle date pour moi d'il y a 3 mois, alors que pour vous, c'est de genre 3 semaines. Et en fait, j'ai pas vraiment respecté ce que j'ai dit parce que j'ai fait des battles. Mais j'ai une excuse pour ça. En gros, suite à ce battle, je me suis dit « Ok, faut vraiment que je me concentre sur ma propre danse et que je commence à développer de nouveaux concepts. » J'avais l'impression d'avoir un certain manque de créativité et donc je me suis dit « Ok, à partir de maintenant, je vais travailler plusieurs éléments. » En premier, j'ai travaillé les footwork. Je me suis entraîné genre pendant un mois, tout le mois d'août, à fond, pour créer des nouveaux footwork. En fait, tout simplement, j'ai appris. Et d'ailleurs, je vais vous mettre en description les liens que j'ai utilisés pour apprendre des nouveaux footwork parce que, en fait, il y a tellement de tutos sur YouTube que c'est facile d'apprendre des nouveaux footwork. Mais une fois que j'ai appris ces footwork là, j'ai essayé de faire mes propres variantes et créer aussi mes enchaînements par rapport à cet ensemble de footwork que j'avais appris. Ensuite, je me suis focus sur un autre truc, c'est l'appropriation des acrobaties. J'ai un break, comme vous avez vu dans la vidéo de la semaine dernière sur Icy Hives, où j'essaye en fait d'incorporer beaucoup d'acrobaties dans ma des choses que je fais clairement, mais je le fais pas très bien. Et donc je pense qu'il y a encore beaucoup de moyens pour mieux intégrer justement les acrobaties au sein de mes passages. Et donc c'est ce sur quoi j'ai travaillé. Juste des petites transitions, etc. Mais franchement, ça m'a fait plaisir de travailler sur ça. Et de toute façon, aujourd'hui là, la salle elle est vide. Et en gros là, dans 30 minutes, il y a un entraînement qui va se passer. Aujourd'hui c'est une petite session tranquille d'entraînement. On va travailler sur des nouveaux trucs. Il rigole pas. Bon voilà, du coup là j'ai fini le training des nouveaux moves. Genre j'ai pas réussi à tout faire parce que je suis mort en fait, j'ai une grosse crampe. Mais voilà, au moins vous avez un avis sur à quoi ça ressemble maintenant. Genre là maintenant je vais me focus sur des nouveaux moves à encore essayer de créer. Parce qu'on s'arrête jamais les gars, c'est 2 mois de charbon. Bon allez, j'y retourne. Let's go, let's go. Watch it in my gueule. Cette vidéo elle est assez simple hein. Franchement là j'ai juste tourné la caméra, d'ailleurs je pense qu'elle est sale. J'avais besoin d'une vidéo comme ça, juste un peu récap, en mode on prend connaissance en fait, on se tient au courant. Parce que oui, gros changement cette année, j'ai moins de temps pour faire des vidéos parce que en gros, comme je vous l'avais dit dans une FAQ, j'ai commencé mon alternance. Voilà, je suis en alternance ici au Flow, dans 2 ans on finit et on fait le tour du monde, ça c'est sûr, direction Japon les gars. Retenez ça, direction Japon dans 2 ans. Ah oui, et en fait il y a aussi un autre truc que j'ai oublié de vous dire, je vous avais dit qu'il y allait beaucoup de choses qui allaient se passer avec le crew avec lequel on a remporté le battle la dernière fois, Ground Killers, les vainqueurs de l'édition 2022. Du coup, on a formé un crew et on est en train de préparer le BOTY, donc le Battle of the Year, le battle crew le plus prestigieux de France, selon moi. Enfin, un des battles les plus prestigieux. Bref, c'est une expérience trop bien. On est en train de taffer sur des combis, etc. Ça fait plaisir en fait, parce que en travaillant avec de nouvelles personnes, ça me permet de m'ouvrir sur d'autres côtés de cette danse, justement. Là, c'est Dangerous, les gars. C'est lui qui m'aide beaucoup là en ce moment. C'est pour ça que j'ai progressé. C'est grâce à des gens comme ça. Et lui, il fait autant progresser. Non, c'est grâce à des gens comme ça. C'est dans mon cœur. Ça me permet aussi de voir ce que c'est avoir une expérience crew mais en mode formation de spectacle. À ce jour, j'ai déjà fait de la reprise de rôle dans une compagnie, mais c'est de la reprise de rôle, ça veut dire que le spectacle on l'a créé avant mon arrivée. Parce que là en fait, au contraire, on est vraiment en train de monter de toutes pièces le show qu'on va faire pour le BOTY. Et par rapport à ça, j'en fais pas de vidéo en mode on prépare le BOTY, car je pense que je vais réaliser un genre de reportage, genre un petit documentaire reportage par rapport à ça. J'ai déjà quelques plans, tout ça, j'ai hâte de réaliser tout ça en fait. À l'occasion de la formation de ce nouveau crew, et ben en fait on a fait des battles. Bon les gars, vous avez vu, on est bien arrivé. En gros là on est à Amiens et on a un gros battle. Wesh les gars, vous avez vu la salle? En gros c'est dans un cirque, du coup c'est énorme, il y a plein de monde et tout, c'est ouf.
les gars, on se retrouve du coup là, aujourd'hui on est à Louvain, Louvain-la-Neuve, je pense, ou Louvain tout court, j'en sais rien. Et bref, on est au Unbreakable, on est 13, il y a même des Polonais et tout, genre ça va être un bordel. Let's go from the north, proof. Dernier truc de fou, on a organisé un battle. Avec la tribu sans issue, on a organisé un battle. Le battle Halloween, et c'était la 6e édition. Et à l'occasion de ce battle, j'ai eu la chance d'être speaker. C'était trop cool parce que c'était ma 2e expérience en tant que speaker. Sauf que la dernière fois que j'ai fait ça, j'avais pas encore commencé YouTube. Du coup, j'étais peut-être pas si à l'aise avec l'oral, tout ça. Tandis que maintenant, en fait, je me suis senti grave à l'aise et j'ai kiffé. C'était vraiment trop cool. Et donc, les gars, si vous avez des plans pour des battles, n'hésitez pas. Maintenant, on lance le business speaking. Et je suis content parce que j'ai plutôt eu des bons retours. Genre, on m'a dit que j'avais bien animé le battle, tout ça. Donc, ça fait hyper plaisir. Après, là, c'est dans un cadre particulier. Car vu que c'est notre association, je connais quand même les personnes qui sont dans la salle plus ou moins, mais j'ai hâte de retenter cette expérience et d'en faire un vlog entier. Et encore un gros big up au vainqueur du Battle Halloween, dédicace Bounoux, Anouk et Pickpocket de Kaela. Franchement les gars, vous avez géré. On vous attend l'année prochaine en fait. C'est simple, hein. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé malgré le format qui est assez simple où je fais juste un récapitulatif de ce que j'ai pu faire. Comme je vous avais dit, j'en avais marre en fait de me filmer en train de danser parce que c'était toujours la même chose qui venait. Du coup, j'avais besoin de couper un peu la caméra, développer des nouveaux trucs tout simplement, et ça m'a fait kiffer en fait. Parce que maintenant, j'ai l'impression que j'ai beaucoup d'éléments, mais pas encore assez, donc je suis toujours sur cette voie de progression. Mais c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Bref, c'était Madia, portez-vous bien jusqu'à la semaine prochaine. Si tu me vois me rouler à terre, que je trouve mes baskets, que je tourne dessus en te faisant bouger la tête, Chonon, Pyongwalul, Chadia Somnida. Peace!